Hey, salut les filles. On va regarder aujourd'hui que j'ai acheté chez Action. Tout ça, il y en a beaucoup de choses. Avant toute chose, n'hésitez pas à faire un tour dans ma boutique Etsy. Vous y trouverez de beaux bijoux comme ces boucles d'oreilles par exemple. Le lien se trouve en barre d'infos. C'est moi qui fais ces bijoux avec mes mains. Voilà. On va passer aux choses sérieuses. Voilà, en tout ce gros sac, j'ai eu pour 48,02 €. Je vais vous donner les prix tout de suite. 48 €, franchement, moins de 50 € tout ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris 4 pelotes comme ceci. Il me semble qu'il y en a 4. On va regarder ensemble. Oui, c'est les mêmes. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bien les mêmes. Donc pareil, Amazing Cake, Alison and Mae, 150 grammes par pelote. Pour 630 mètres, celle-ci me paraît vraiment différente. Mais non, je crois que c'est pareil. En fait, j'ai essayé de chercher la référence et si je trouve pas de référence. C'est peut-être ça la référence, 56-35, numéro 6, c'est ça. Et là, 56-35, numéro 6, parfait, c'est toutes les mêmes. Ouf, soulagée. Donc, j'aime beaucoup. Ici, en fait, vous avez... C'est fait en Turquie. Il se tricote avec les aiguilles 3,5 à 5. Et c'est du coton 100%. Et celui-ci, donc je l'ai payé 13,16 € pour les 4 pelotes. Donc une pelote, elle coûte 3,29 €. Voilà comment le fil se présente. Il est assez fin, même beaucoup, même très fin. Très, très agréable. Enfin, c'est du coton en même temps. Il ne peut pas être désagréable. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est super sympa. Un petit pull d'été ou un petit haut d'été, enfin quelque chose comme ça, ça va être super chouette. Voilà. Ensuite, j'avais pris 4 comme ça. J'en ai pris beaucoup à chaque fois pour un pull parce que j'en ai marre à chaque fois de courir après Action et chercher mes fils. Donc voilà, j'en ai pris autant que je pensais pour un pull. Et puis on verra si je fais un pull ou pas. Donc, ceux-là, c'est des cakes comme ça. Ah non, ça ne s'appelle pas des cakes. Ça, c'est UFO Specials. Donc, c'est Alison and Mae aussi. Dedans, vous avez un 100% acrylique, 200 grammes pour 459 mètres. Et sur tricote avec l'aiguille, 5 et 6 mm. Ceux-là, ils sont faits en Chine, tiens. Et là, chaque petit cake comme ça, bah écoute... 2,49 €. Donc là, pour les 4, j'en ai même pas pour 10 €. J'en ai pour 9,96 €. Donc vous imaginez un peu si vous faites un pull à 10 €, qui sera chouette comme ça. Ce que j'aime dans ce fil, c'est qu'il est extrêmement doux. Mais il est vraiment très très doux. Il est fin. Vous voyez, il est un peu... On voit les filaments comme ça là qui se détachent. Je ne sais pas s'il va être solide, s'il va tenir longtemps. Mais enfin, sur coup, j'ai adoré. Hein. J'aime beaucoup. Et donc ça va être pareil pour les autres, c'est le même prix. Hein. Et c'est le même, les mêmes mesures. Après, si vous voulez les références, celui-ci c'est la référence. En fait, c'est pas pareil comme sur l'autre. Ici, c'est les références. Ils sont marqués où ? C'est même pas marqué le mot référence. Va savoir. Ouais, ça doit être couleur en fait. Parce que les numéros sont pareils aussi. Donc couleur ici, c'est 65, 20, 53. Si jamais ça vous intéresse. Celui-ci, c'est couleur 65, 21, 21. Trop beau aussi. J'en ai pris également. Mais j'en ai pris combien? J'en ai pris 5. Pourquoi j'en ai pris 5 de celui-là? En fait, je crois que je suis complètement perdue. Hein. Là, vous en avez 200, 400, 600, 800. Oh! J'en ai pris beaucoup trop. En fait, je vous dis, je suis comme obsédée. Enfin, je suis comme une possédée quand je rentre chez Action. Je ne réfléchis pas. Pourquoi j'en ai pris autant? Bref. Voilà, donc il est beau aussi ce fil, il est magnifique, j'adore les couleurs comme ça, c'est vraiment un mélange de jolies couleurs. C'est vraiment très doux quand vous tenez ça dans les mains. Et puis j'en ai pris 4 comme ça, je vous annonce plus le prix puisque je l'ai dit pour les premiers, c'est le même. Voilà, c'est pareil, et ici c'est la référence 65, 22, 68. Voilà, aussi très très joli fil, enfin bon. Après à voir au niveau du tricot comment ça va se... comporter, comment ça va se porter aussi. Et celui-ci, je ne sais pas par quel miracle il a atterri dans mon sac. À mon avis, j'étais en train de réfléchir, je prends pas, finalement j'ai même pas réfléchi, je l'ai pris et voilà. Mais je suis pas très fan de celui-ci, c'est l'un de mes pas préférés quand même.
Donc ça, c'est le numéro 65 21 90. Après, les goûts, les couleurs, peut-être que vous, vous allez aimer, moi, pas trop. Après, tout dépend de ce que j'en ferai. Peut-être que je ferai quelque chose de très très joli et puis je vais apprécier. Voilà, en tout cas, bon, le reste, c'est plutôt des couleurs bleues, comme vous pouvez voir. C'est vraiment un peu bleu, jaune, hiver. C'est celui-là qui sort du lot, mais j'ai pris plutôt les couleurs un peu froide, sauf ça, c'est plus chaud. Et bien évidemment, celui-ci. Et puis les autres, ils sont aussi dans les couleurs entre chaud et froid. Voilà. Je sais pas ce qui me prend actuellement. J'adore ces couleurs, mais en même temps, ils me vont bien. Donc c'est pour ça, peut-être aussi. Voilà, ça en était tout. Et j'attends aussi une autre, d'autres achats que j'ai passés sur un site. Je vais vous dire après le nom. J'en ai déjà acheté sur ce site l'année passée, c'était à peu près pour le même montant. Donc vous allez voir tout ce que j'ai pris cette fois-ci. Une fois que j'ai le colis, normalement il est déjà arrivé. Je vais essayer de vous montrer ça dans une autre vidéo, je pense. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Dites-moi ce que vous en pensez de Célène. Est-ce que vous avez déjà acheté les mêmes ou pas les mêmes? Qu'est-ce que vous achetez aussi chez Action? Est-ce que vous comptez? Est-ce que vous pensez que c'est sympa d'acheter chez eux ou bien pas trop? Enfin bon, chacun ses goûts. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!